Bonjour, c'est Pascal Zivaco, alias Magic Pascal. Le tour de magie qui rend fou. Ce tour de magie avec des cartes a rendu dingue les gens pendant plusieurs années. Pour la première fois en vidéo sur YouTube, je vous le présente. A tout de suite. Une carte est choisie, puis remise dans le jeu, et celui-ci mélangé par le spectateur. Toutes les conditions sont réunies pour que le tour de magie soit le plus net possible. Maintenant, je vais me laisser 4 chances pour retrouver la carte sélectionnée par le spectateur. Je vais prendre cette carte. Celle-ci. Celle-là. Et puis celle-ci. Je pense que parmi ces cartes, il y a la carte du spectateur. Alors, pour cela, je vais essayer, avec mon don de perception, de capter l'âme des cartes. Je vous représente les cartes. Nous avons le 5 de carreau, le 10 de carreau, le valet de carreau, le 8 de pique, J'ai un doute. Non. Ah, peut-être celle-ci, peut-être. Ah, j'hésite entre les deux. Non, celle-ci. Étrange. Sur cette carte, je ressens comme des picotements, ce qui me laisse à penser que cette carte est la carte du spectateur. Question les amis, ne serait-ce pas la carte choisie? Le 8 de pique? Je dois reconnaître que l'effet en lui-même est très impressionnant. Mais ça, c'était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était ça. Vous l'aviez vu ?